Coucou tout le monde, on se retrouve pour le petit tuto pince que vous m'avez demandé, enfin je vous avais proposé, vous m'avez dit oui. Et je suis désolée pour l'autre vidéo parce qu'on voit pas bien comment j'ai fait la fleur en soie. Donc voilà, j'en ai refait une deuxième petite. Donc là vous allez mieux voir parce que le soleil est reparti là sur le côté. Donc du coup je filme à la suite de la première vidéo et donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait aussi avec la fleur là que j'ai faite. Donc vous voyez, j'ai fait une espèce de sucette, voilà. Donc j'ai mis des petits stylos, enfin ça vous l'avez vu, j'ai mis des dentelles, des petits froufrous là ici en dessous, et puis derrière j'ai terminé comme ça avec les appliques petits chats. Voilà, donc ça fait un petit décor, quoi. Moi, j'aime bien. J'avais fait un petit tableau comme ça aussi, avec une sucette comme ça. C'est très sympa. Il est là. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Vous voyez, là, j'en avais mis une aussi. Un peu dans le même esprit, quoi. J'avais bien aimé faire ça aussi. Très sympa. Bon, enfin bref, nous on va faire notre petite pince. Hein. Hop là, ça y est, je vais vous redonner le mal de mer. Oh là là. Et donc j'ai fait une espèce de petit bijou là que j'ai accroché ici avec le set qu'on avait chez Action, vous savez, avec les bijoux là. Je viens de jeter la boîte. Avec ça, ce set là. Donc j'ai fait un bijou pour mettre au bord de ma pince. Là j'ai fait un trou avec ma crocodile qui ça va super bien du coup, comme ça je peux déjà l'accrocher. Là vous voyez, j'ai mis les petites fleurs que j'avais eues chez AliExpress. Je trouve que ça va bien avec ça. J'avais eu ces petites corolles là, j'avais eu ça lors d'un week-end à Dinan en Bretagne. Il y a un magasin de perles, c'est la folie, hein. Voilà, puis un petit pompon ici de chez Sostring Green, j'ai mis là. Je trouve que ça joli, je trouve que ça fait pas mal. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, vous voyez les pinces elles sont comme ça à la base, hein. C'est moi qui ai fait le trou pour pouvoir accrocher mon petit bijou là. Voilà, donc c'est parti. Donc là pour le moment je vais mettre cette dentelle là, comme ça après je peux coller d'autres choses dessus, c'est plus facile. Donc je vais la coller, vous allez mieux voir maintenant ce que le soleil est. Je vais la coller là-dessus. Voilà, je fais ça et après je vais prendre l'air, hein, parce que là je sorte. Donc ce beau soleil là, même bien en m'étouffler, je vais rentrer un bon petit thé. Et voilà. C'est pas belle la vie? Bah oui, il faut se la rendre belle, hein, parce que sinon. Donc en faisant toutes nos petites choses là, bah oui, ça la rend belle. Ça... Je suis philosophe aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vais rentrer le petit bout ici. Bon, je suis désolée, hein, pour la fleur en soie, vous avez pratiquement rien vu avec ce. Avec la luminosité là. Donc je suis vraiment désolée. Et puis ça, je viens le coller là. Il est bien ce ruban élastique là, parce que pour faire tous ces petits bricolages là, c'est super. Voilà. Ah, vous voyez, comme ça. Ça c'est fait. On n'en parle plus. Je voulais venir coller ça ici, là, comme ça. Je la coupe parce qu'elle est vraiment très très longue. Et je trouve ça joli parce que c'est très fin. Voilà. Donc je vais venir la coller là comme ça. Je trouve ça trop beau ça. Voilà. Comme ça. Hop. Je mets ma petite. Ça évite de se brûler les
J'ai peut-être fait un peu longue. Hein. Oh, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Alors après, je viens remettre. Je ne sais pas si je mets une plume ou alors je la mets par là. Ça, c'est les petites plumes à ma copine Karine. Coucou Karine. J'espère que tu vas bien. Il ne fait pas chaud en Normandie, hein. Voilà, je vais venir la mettre ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore? Je vais mettre mes petites fleurs ici. J'en ai fait une deuxième plus petite. Je vais peut-être venir la mettre là. Là, je vais venir coller les petits pistils là derrière. Voilà, je vais venir mettre comme ça. Je trouve ça joli. Et puis je vais peut-être venir mettre l'autre ici. Ah, ça y est, me voilà coincée. Oh. Ça c'est tout moi ça. Je vais venir mettre un nœud et puis ça va être bien comme ça. Parce qu'après, forcément, quand on en met trop, c'est pas forcément plus joli. Hein? Enfin, moi, je trouve. Donc, je vais mettre juste un nœud là, comme ça, en soie froissée, là. Voilà. Oui, ça va être comme ça. Et puis, je pense que ce sera bien. Parce que comme il y a le petit bijou, tout ça, ben, je trouve que ça fait pas mal. Donc, voilà. Ça joli. Et puis je vais peut-être venir mettre une petite nacre aussi comme ça là. Ou alors une petite fleur. J'aurais pu mettre une petite fleur là au milieu. Non. J'ai envie de la laisser nature comme ça. Par contre là, je vais peut-être venir mettre quelque chose. Je vais remettre un petit truc là. Je mettrais bien une petite fleur comme ça, mais cassée quoi. En fait. Fleur blanche ou une petite résine blanche. Coucou. Ou je mets ça, ou je mets une petite fleur comme j'ai mis là. Ou sinon je mets ça. Ou alors ça, je peux le mettre ici. Oui, tiens, je vais mettre l'entre deux. Un peu de joli. Mettre ça là. Hop. Voilà. Et ici, je pense que je vais mettre elle. Ou pas. Ou pas. Ou sinon, je remets ça. C'est peut-être plus fin. C'est plus joli. Moi, je vais mettre celle-là. C'est plus joli. C'est un peu gros, ça. Comme j'en ai déjà mis sur la chaînette, je pense que ça suffit. Comme ça. Voilà, ça y est, on s'en est sorti. Donc voilà, je vais les accrocher. Donc, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, regardez comme c'est beau. Moi j'aime bien. C'est léger, c'est aérien là, avec toutes ces petites fanfreluches toutes fines. Je trouve ça trop joli. Le petit bijou là, ici que j'ai fait, je trouve que ça c'est pas mal. Oui, c'est les petites fleurs que j'ai eu chez Ali. Voilà, bon, elles sont pas mal les petites pendouillettes là. Là et celle-ci. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Encore une fois, désolé pour la fin de la vidéo avec les petites fleurs de soie là. Et bon, vous avez vu, hein, suffit de tournicoter. Et puis, ben voilà. Donc, je vous dis, ben là, maintenant, je fais plus de vidéos, là, cette semaine. Je vous dis, ben, à dimanche, hein, pour la suite des tags. Donc, ce sera le tag Saint-Valentin.
Voilà, sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée, très belle fin de journée. Moi, je m'en vais promener mon chien. Je vais m'aérer un peu la tête et prendre l'air. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao à toutes et bye bye.